Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans The Wild at Heart. On s'était laissé dans un sauvetage de chat et, comme prévu, j'ai passé la nuit en off et on se retrouve au petit matin pour résoudre cette énigme. Donc j'ai déjà mis Wake à faire du vent, tout simplement. On va mettre des copains ici et on devrait pouvoir les récupérer. Comment je les récupère? Sans doute avec ceci. C'est ça. Voilà. Pas réussi à venir, mais c'est pas grave. On va pouvoir détruire un petit peu le chemin. Alors j'ai posé la question à Tate Ferraille, il nous reste également une relique à trouver dans cette zone. Et visiblement ce serait plutôt ici. Donc là on a un endroit avec des clones. Ok. Je vois pas trop comment ramener des clones. Si en fait tout simplement je vais pouvoir faire ça. Je t'aide trop. Je vais pouvoir faire ça comme ça. Alors, ok, c'est du temporaire, donc même punition. On laisse Kirby, on switch. Et on fait des givrelins. Absolument pas. Ah, il m'en faut 10. En ai-je 10? Oui, si ceux-là viennent avec moi. Voilà, on en a 10. On va pouvoir switcher. Reglisser Kirby. Et récupérer du coup nos clones. Et du coup ça tombe bien. On en a 10. Parfait. On va faire descendre Kirby. Ok, donc oui, l'idée c'est que les clones ne peuvent pas. Du coup, on récupère cela. Il m'en manque un. J'en voudrais un. Donc. Ok, il n'y a personne dessus. Pas de chance. On va donc switcher. Je prends Kirby. J'en profite. Pour virer cela. Vous voulez bien vous accrocher, les gars? Je sais que c'est pas facile à viser, mais quand même. Il m'en faudrait qu'un sur les deux qui s'accroche. Pas toujours évident d'avoir le bon angle de vue. Et le bon angle de tir. Celui-là on s'en fout. C'est comme ça qu'il faut. Allez les gars. Je vais pas passer ma journée à essayer de lancer des farfelins. Il semblerait que si. Voilà, j'en ai accroché deux. Ceux qui sont pas accrochés, venez. On repart par là. On switch pour avoir Wake.
on souffle, on switch pour avoir Kirby. Et on se rate lamentablement à récupérer les orphelins. Bien joué Shomiti. Bien joué. C'est reparti pour un tour de manège. Avec Wake ici, avec Kirby là. Ça demande de la dextérité. Et visiblement, j'en ai pas. Et la nuit est en train de tomber. Tout ça à cause de ma dextérité que je n'ai pas. Et en plus, je sais que j'ai oublié de faire des veilleuses. Je le sais. Voilà. Donc ceci n'est pas un chat. Mais tant pis. Alors, on récupère tout le monde. Tout le monde, ça veut dire Wake. Pourquoi j'en ai qu'en 32? 23 rebelles. Oh non, vous êtes restés coincés là. Et... Oh. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ils sont restés coincés. Nous, on va juste courir du coup. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir passer à côté de là. La mauvaise, c'est que j'ai absolument pas prévu de lanterne. Et que du coup, ça va être tendu. Je sais même pas s'il y a des... Voilà, on va pouvoir ouvrir ce coffre. C'est parfait. Compte. Pinaise, il y a zéro lumière sur ce chemin. On va se mettre là. On va prier pour qu'ils arrivent. Continue d'avancer, c'est cool, elle devrait pas tarder dans notre champ de vision. Ils choisissent de sauter, c'est parfait. Allez, il nous reste encore un petit peu de chemin à faire. On va essayer de rester dans la portée des lumières, comme ça. Est-ce qu'on t'a vu, monstre du jamais, on t'a vu? Progresse de 3 fois rien par 3 fois rien. Quelque chose me dit que si je le perds des yeux trop longtemps, ils vont pouvoir se faire avoir. Donc le TP est juste là. Allez, il faut juste tenir. On tient, tout le monde tient. Il y a une loupiote là si on a besoin, il y a le camp là si on a besoin. Et ça y est, on a ramené le frigo. C'était un frigo, hein. Voilà. Voilà. Livraison au musée reçue. Et donc, on n'a pas fini de choper toutes les reliques. Et bien du coup, pour pas changer, je vais passer le reste de la nuit en off. Sans doute aussi ramasser les petits farfelins qui se sont paumés. Et on va aller récupérer ce chat. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc exactement là où on était... tout à l'heure, donc au même endroit où on a récupéré le frigo, et je pense que le chat va être tout simplement par là, donc sur cette surface que nous pouvons marcher et pas les
farfelin. Donc on va devoir casser le carton nous-mêmes. Et voilà, un chat de trouvé. Donc on va faire très attention à reprendre tout le monde sans que personne ne marche dessus. C'est une surface assez dangereuse et on va vérifier auprès de Tad Ferraille. Ah, il reste une relique. Il resterait une relique, peut-être par là, où j'ai pas vraiment exploré. En tout cas la carte semble dire que je n'ai pas vraiment exploré. Parce que je sais qu'on y a passé du temps. Oh, des blobs. Oui, il faudrait les givrelins, les givrelins. Ah là, les givrelins. On a de la chance qu'on se fasse pas. Est-ce que j'aurais pas un tonique tonique nauséabond. Mélange de travail. Non, j'ai pas pris de tonique d'attaque. Ok. Pas très grave, c'est pas très grave. Voilà. Tout le monde est là, on se fait le deuxième. Voilà, ça s'est bien passé. Tout va bien. On va prendre un petit peu de loot aussi en passant. Parce que quitte à être là, autant refaire plein. Un peu tout, même si les étincelles pour le coup j'en ai quand même pas mal. 54. Viens mon gars. Donc on a dit vers le sud. Je pourrais prendre l'ascenseur, ça m'amène où cet ascenseur? Ok, donc ça m'amène pas du tout dans une autre zone. Enfin, ça m'amène dans une autre zone, justement. C'est pas forcément ce que je veux. Moi, je voudrais essayer de trouver la relique qu'il me manque. Même si j'ai plutôt pas mal exploré. On va pas cracher sur un peu de pièces. Parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal tout dépensé. Améliorer un peu les PV de Wake et de Kirby. Ah oui, j'avais bien vu. On la somme, on la somme, on la somme. Allez, on la somme. Assommez-le, assommez-le, tuez-le, tâtonnez-le. Tâtonnez-le. Le nid. Il y en a qui glandent. Mais c'est pas grave. Ah oui, c'est peut-être un endroit où on n'avait pas pu accéder. Voilà, s'il y a du jamais. Je te vois le jamais. Il faut donc simplement trouver comment on l'enlève. Comment on peut enlever ce jamais. Est-ce que ici... Non, ici, c'est pas une bonne idée. Alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est se débarrasser de la pression. Ici. Vous n'avez pas besoin de tout tenir, j'ai de la place encore les gars. On a voilà, ces petites choses à casser. Ok. Donc je peux pas monter par là. Visiblement je suis déjà descendu. Donc j'ai déjà trouvé comment aller. On va attendre qu'il se dégèle.
Alors, sans doute faire ça. Ah, Kirby était trop proche de Wake. Ouais, c'est pas un définitif, c'est ce que je pensais. On va prendre Kirby. Voilà, tranquillement. Ah oui, mais effectivement, je peux de toute façon pas y aller. Donc la relique est là, hein, c'est évident. Mais je pense pas avoir la possibilité de faire quelque chose avec ce cristal. Non, je ne peux. Donc, on va simplement se noter sur la carte qu'il y a une relique et on reviendra plus tard. Je mets un petit symbole de fleur et voilà. Donc du coup, ben, je pense qu'on va tout simplement pouvoir partir à la chasse de l'artefact. Hein, un moment... Je remets à plus tard, mais il va falloir que je trouve un moyen pour récupérer tous les morceaux. Vous voyez que j'en ai déjà quelques-uns sur la carte. Globalement, ils sont coincés par du jamais que je n'ai pas trouvé comment enlever. Mais on va essayer de faire ça. Je vous retrouve dans la zone. Et contre toute attente, nous voici dans les boissons, dans les champs givrés, tout simplement parce que je me suis dit que en fait je n'avais pas pris cet ascenseur, je ne sais donc pas où il va, et je pense que c'est ce qu'il me manque, tout simplement, pour récupérer les morceaux d'artefacts, et en tout cas récupérer ce qu'il nous faut pour notre ami le Yeti, joueur de flûte, pour sa quête. Ah bah oui, voilà, on arrive au funeral. Voilà, c'est pas mal ça, on arrive en haut. Certains me diront que ça s'appelle Honor. C'est pas grave. La sève, on la prend, c'est précieux. On voit qu'il y a deux coffres, dont au moins un sur notre chemin. Donc du coup, on prend un petit peu de santé, parce que la santé c'est cool. Ah, des fumus. Chouette, des fumus. Par contre, je vois qu'il y en a un qui fait le malin à se balader avec une bouteille. Tu es où? Tu es où, ma bouteille? C'est bon, je vais poser. J'ai toujours pas fini ma chasse au fungus. Alors. Ouais, si vous pouviez éviter de tomber dans l'eau et tomber sur le fungus, plutôt. J'ai besoin de tout le monde. Ceux-là sont un peu costauds. Ici, là. Alors ça. Je me souviens que c'est pas toxique, je crois pas. Voilà. Ça par contre c'est un fungus. Je vais peut-être enfin réussir à faire ma chasse au fungus. Ok, donc ça a l'air d'être le chemin principal par là. On va le débloquer en tout cas. Voilà, on prend les bons farfelins. Voilà, c'est débloqué. C'est ce qu'on voulait. Non, on va l'explorer. Ça va nous faciliter la vie. C'était tout simplement ça qu'il me manquait. Ah. Assommez-le, assommez-le. Quand je dis assommez-le, c'est assommez-le. On me le bute, on me le bute, on bute. Alors on me bute le deuxième du coup. Allez, on l'assomme, on l'assomme, on l'assomme. Avant qu'il nous en mange un. Allez, il va nous en bouffer un. On l'assomme, on l'assomme. Il y en a un troisième. Allez les gars, soyez courageux. Allez, allez. Voilà, il y a qui glande, mais c'est passé. Un petit peu de loot.
Vous vous baladez encore avec mes objets. Faites les malins. Ici, on a un petit passage pour Kirby. Un passage pour dupliquer des gens. Ok. Un petit peu de loot. Donc c'est pas un cul-de-sac par là. Là par contre c'est clairement un cul-de-sac. Ah ça y est, mon inventaire est plein. Vous pouvez prendre des trucs. Ok, donc il y a un chemin par là avec une note du livre. Ça c'est super important. Il en manque encore au moins une. Il me manque au moins la page 6. Et après, je pourrais vous le lire, tout simplement. Ok, donc là, on peut descendre par là. On peut descendre par là. Ok, le chemin avec le coffre, c'est probablement celui-là. Donc on va mettre Kirby. Ah oui, il est juste là, on le voit là. On met Kirby là. Hop. On reprend Wek, on prend des givrelins. On essaie de viser comme il faut, parce que comme d'habitude, ces trucs-là, je les trouve contre-intuitifs, mais c'est pas grave. Ah, ils sont là. Je me disais, où est-ce qu'ils sont? Non mais tous les six. Voilà, le chemin est dégagé. On peut ouvrir le coffre. Et du coup, je peux récupérer Kirby. C'est parfait. Et du coup, eh ben pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il y a. Vers la droite. On va aller explorer un peu par là. Alors. Je vois pas l'intérêt de descendre par là comme ça. Ah si, maintenant je le vois. L'intérêt c'est le jamais. Bon, par contre, je me suis débloqué le chemin. Ah oui, mais je peux remonter par là. Je peux faire quelque chose? Je peux marcher dessus là? Ah non, moi je peux pas marcher dessus. Là c'est un cul-de-sac. Et là je peux pas aller de là à là. Ah! Ça veut dire que il doit y avoir une autre astuce, peut-être par là. Peut-être avec ce rocher que je sais. Il me demande beaucoup de monde pour pouvoir aller de l'autre côté. Parce que du coup on a le coffre, mais on n'est pas forcément débloqué. Et ici on a dit ça nous ramène de toute façon au Yeti. Mène par là, donc ça change absolument rien. Donc j'ai effectivement dû louper quelque chose quelque part pour récupérer un éventuel artefact. Il me semble que là j'ai fait. Il y a des fungus. Ouais, il y a des fungus. Alors c'était ça le prix, cela. Il faut. Allez, allez les gars. Alors, on a déjà perdu un. Oh là là. C'est ce que je me souvenais, ils sont costauds ceux-là. En plus ils sont nombreux. C'est l'hécatombe. Eh non, mais continuez à vous battre. Revenez pas. On a perdu un certain nombre de farfelins. Okay, ça c'est pas. Ah putain, si c'est un monstre. Et la nuit est en train d'arriver.
pas grave, on va retourner au bosquet tranquillement. On pourra gérer le troupeau. De toute façon, la nuit est en train de tomber. Mais je ne vois pas l'astuce. Là, le plus simple. Il y a un camp là. Il y a un camp là, mais je suis pas sûre de pouvoir dormir dans le camp. Oui, c'est ça, c'est un tout petit camp de rien du tout. Alors que le TP, il faut descendre vite, vite. Bah, descendons vite, vite. On descend, on descend, on descend. On tourne. On descend. Niveau TP. Fort heureusement. Et bah, du coup, je vais retourner faire un dodo au bosquet. Mais je suis un peu blasée parce que ça nous a débloqué, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que j'ai toujours pas vu ce qui nous manquait. Et comment l'obtenir. Du coup, ça me blase un petit peu. C'est pas très grave. On va tout mettre dans le coffre. On n'a pas ramené de reliques, par contre on devrait pouvoir s'acheter l'amélioration. Tac, la dernière. Il ne manque plus que les PV pour y arriver. J'ai pas ramené de chat. Donc tout va bien, donc on va sauvegarder. Et puis je pense qu'on va se quitter là, tout simplement. Sauf rêve, cauchemar ou autre chose du genre. Non, pas de rêve, donc on va se laisser là. Je vais continuer à réfléchir un peu en off à comment on s'en sort pour récupérer nos objets qui sont coincés dans le jamais. Même si visiblement il va falloir aider le Yeti et que je ne sais pas où est son dernier objet. Et que je ne l'ai pas encore trouvé. Du coup, bien, je vais essayer de trouver tout ça et on fera tout ça ensemble. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite. Je vous souhaite rien du tout. Enfin, chill, bonheur, machin et tout, mais c'était pas le but. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!